Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères ce mardi, Orené Agbenossi, a fait le point de sa participation au sommet extraordinaire de la CEDEAO dimanche dernier. Promotion des poubelles homologuées par la Société de gestion des déchets solides du Grand Nokwe. Vous suivrez dans cette édition les explications du directeur général de la structure. Et puis en Russie, le Forum économique de Saint-Pétersbourg ouvre ses portes ce 2 juin sous restrictions sanitaires. Bienvenue à toutes et à tous. Après son investiture le dimanche 23 mai dernier, dans ses fonctions de grande chancelière de l'Ordre national du Bénin par le président de la République, Mariam Tchabi Talata, vice-présidente de la République, a officiellement pris les rênes de l'institution ce mardi 1er juin 2021 dans les locaux de l'ANES de la présidence de la République. C'était à travers une cérémonie solennelle de passation de charge entre elle et la grande chancelière sortante Kouburat Osseni Enjoré. Sommet régional extraordinaire de la CEDEAO ce dimanche 30 mai à Accra au Ghana, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont décidé de la suspension du Mali des organes de l'institution et pour cause le récent putsch qui met davantage à l'épreuve la transition en cours au Mali. À cette rencontre, le président Patrice Talon s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, qui a livré au cours d'une conférence de presse ce mardi 1er juin la substance des travaux et décisions de ce sommet extraordinaire. En voici un extrait. Notre pays a donc pris part à ce sommet extraordinaire. Donc l'ordre du jour a porté exclusivement sur la situation au Mali. Ainsi que vous le savez, cette convocation par le président Akufo-Addo fait suite à l'arrestation par l'armée malienne le lundi 24 mai 2021 du président de la transition et du premier ministre, ce qui a entraîné la suspension du processus de transition qui est en cours au Mali. Ensuite, le sommet a délibéré longuement sur cette situation et nos chefs d'État et de gouvernement ainsi que les chefs de délégation ont pris les mesures suivantes. D'abord, ils ont réaffirmé l'importance et la nécessité de respecter le processus démocratique d'accession au pouvoir conformément au protocole de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ils ont condamné en particulier toutes les actions qui ont conduit à l'instabilité persistante au Mali et ses conséquences dans la région. Deuxièmement, ils ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO conformément aux dispositions de la CEDEAO. Troisièmement, ils ont demandé la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre civil ainsi que la formation de nouveaux gouvernements qui doit être inclusif afin que ce gouvernement puisse poursuivre le programme de transition qui avait été entériné par toutes les parties prenantes du Mali, mais aussi par la CEDEAO. Ils ont ensuite, le chef d'État, réaffirmé la nécessité de respecter la période de transition de 18 mois qui a été décidée à Accra. Et dans ce contexte, la date du 27 février 2022 est déjà annoncée pour l'élection présidentielle et elle doit être respectée, absolument maintenue. Ils ont aussi réitéré les décisions qu'ils avaient prises antérieurement, selon lesquelles le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre de la transition ne devraient en aucun cas, être candidats à la prochaine élection présidentielle. Vous me demanderez quelle a été la particularité de l'intervention du Bénin à ce sommet-là. Le Bénin a voulu que le principe du réalisme soit pris en compte, dont le président Patrice Talon, tout en condamnant fermement ce mode d'accession au pouvoir, a souhaité que les décisions qui seraient prises à l'issue du sommet ne soient pas des décisions qui conduisent à une impasse, que ce soit des décisions qui permettent une sortie de crise, qui respectent non seulement les impératifs de sécurité de notre sous-région, mais aussi la protection des populations civiles
ce qui est très très important parce qu'on ne règne pas sur les cimetières, on règne, on gouverne les populations. Atelier de renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises PME de précollecte en gestion administrative et financière ce mardi 1er juin à Cotonou, initié par la gestion, la société de gestion des déchets solides du Grand Nokwe SGDSGN. Il a pour objectif de former les entreprises de précollecte avec qui la société est en étroite collaboration. Compte rendu, Kano François Mbédirinto. Il s'est ouvert ce mardi 1er juin 2021, journée nationale de l'arbre, un atelier de renforcement de capacité des PME de précollecte en gestion administrative et financière. Une initiative de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokwe SGDSGN, dont la tenue est justifiée ici par le directeur général Valérie Larson. Vous savez, nous avons depuis 12 mois lancé la réforme dans le secteur de la gestion des déchets solides ménagers. Et sur la chaîne de la gestion des déchets, nous avons le maillon pré-collecte que nous sommes en train de professionnaliser. Et donc, nous avons estimé qu'après un exercice de 12 mois d'activité, qu'il était important de faire le bilan, mais en même temps, les insuffisances que nous avons notées, d'apporter des outils, des connaissances à nos PME afin qu'elles puissent améliorer leur performance, mais également que leur viabilité soit renforcée. Au cours de ces exercices, il a été question de faire le bilan technique et celui financier des actions menées depuis 12 mois dans le secteur de la gestion des déchets. La gestion financière et la gestion administrative ont fait l'objet des deux modules qui ont été présentés aux participants. L'occasion a été saisie également pour lancer la phase concernant la promotion des poubelles. Nous avons décidé de lancer symboliquement la promotion des poubelles que la société a acquise depuis environ 2 mois. Nous avons travaillé à mettre en place une stratégie. Et vous savez, ces PME constituent un maillon assez fort dans le dispositif. Et donc nous avons estimé qu'il faut que nous devons s'appuyer sur eux pour pouvoir faire en sorte que chaque ménage puisse avoir une poubelle SGDS. Lancée depuis 12 mois, la réforme dans le secteur de la gestion des déchets préoccupe le gouvernement. Ainsi, ces PME formées sont désormais outillées pour une gestion plus efficace des déchets afin de maintenir nos villes propres. Et le directeur général de la SGDSGN, Valérie Larson, a saisi l'occasion pour apporter plus de précisions sur l'opération liée à la promotion des poubelles. Suivez un extrait de ses explications. Les poubelles que nous avons acquises, ce n'est pas des poubelles, c'est des poubelles assez solides, c'est des poubelles qui respectent des normes. C'est des poubelles que la société a acquises à l'unité à 25 000 francs. Donc c'est des poubelles qui peuvent faire 10 ans. Donc ce n'est pas des poubelles où vous achetez demain, vous les retrouvez. Voilà. Donc le gouvernement a décidé de mettre ces poubelles à la disposition des ménages au prix coûtant. C'est-à-dire que 25 000 francs. Encore, malgré que nous sommes en train de faire, ou nous faisons des efforts assez louables pour assainir les maisons, la ville, mais malheureusement, si les poubelles, il n'y a pas de poubelles adéquates, c'est que les ménages ne seront pas épargnés des maladies ou de l'insalubrité, comme vous voyez. C'est une obligation, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas gérer les déchets sans avoir des poubelles vraiment adéquates. Vous voyez comment la ville est propre aujourd'hui, vous les voyez qui sont propres. Si on continue d'utiliser ces poubelles-là, ben, ça déteint sur la ville. Au registre santé, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19, le ministre de la Santé a pris ce mardi la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Il donne le bon exemple 2 mois après la prise de la première dose.
Le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, donne encore le bon exemple concernant la vaccination contre la COVID-19. Ce mardi 1er juin, il est allé prendre sa deuxième dose du vaccin AstraZeneca 2 mois après la prise de la première dose, comme le recommande sa posologie. Accompagné du représentant résident par intérim de l'OMS et de la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin, le ministre, après vaccination, a invité l'ensemble des populations à faire le même geste. C'est pour dire à la population, encore une fois, que l'effectivité de la présence des vaccins au Bénin est réelle. Nous avons les vaccins au Bénin. Et il est question aujourd'hui que nous puissions sortir massivement pour nous faire vacciner. Au début, nous avions restreint ça aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les agents de santé qui sont exposés au quotidien, parce qu'étant en contact permanent avec les malades, les personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, qui ont été fortement secouées par cette pandémie, mais également les sujets qui sont porteurs de comorbidité. Aujourd'hui, nous avons étendu le champ des cibles de cette vaccination pour prendre en compte tous les sujets qui sont âgés de plus de 18 ans. Concernant l'esprit dubitatif cultivé par les citoyens sur la qualité des vaccins, l'autorité ministérielle rassure en ces termes. Les vaccins que nous utilisons au Bénin et d'ailleurs partout ailleurs dans le monde sont des vaccins qui sont sûrs, sécurisants et qui sont donnés gratuitement. Les effets secondaires qui sont attendus et qui sont pour la plupart du temps des effets secondaires mineurs ne sont rien à côté du bénéfice qui est attendu de cette vaccination. En effet, lorsqu'on se vaccine contre la COVID-19, c'est quasiment 100% d'éviction de forme grave. La forme grave est évitée quasiment dans 100%. Les formes symptomatiques, on peut encore la voir dans un certain pourcentage. Mais on fera la maladie peut-être, mais on n'en mourra pas. Et ça, c'est fondamental, quand on sait que chaque personne qui meurt est une perte incommensurable pour le pays. La campagne de vaccination contre la COVID-19 au Bénin se poursuit toujours. Les citoyens sont donc attendus dans les postes de vaccination retenus par le ministère de la Santé pour se faire vacciner car le vaccin contre la COVID-19 est efficace, sûr, volontaire et gratuit. Le Bénin a célébré ce mardi 1er juin la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. La journée marque également le début de la campagne de reboisement 2021 dans la commune d'Abomey-Calavi. Un espace de 5 hectares a été reboisé dans l'arrondissement de Kwaon. C'était en présence des ministres du cadre de vie et de l'agriculture et du maire de la commune. Suivez le compte rendu de Clémence Tonoukouin et Jean-Baptiste Boucor. L'arbre et la restauration des forêts pour le bien-être, c'est le thème retenu pour la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Ce thème rappelle le lien qui existe entre les arbres et le maintien d'un cadre de vie sain. La journée marque également le début de la campagne nationale de reboisement 2021-2022. Pour marquer l'événement, dans la commune d'Abomey-Calavi, un site de 5 hectares a été identifié pour mettre en terre des plants d'acacias et d'espèces autochtones. Pour le maire Angelo Arwandinou de la commune d'Abomey-Calavi, le choix du thème est bien en adéquation avec le site choisi. La commune d'Abomey-Calavi s'honore d'abriter la célébration au plan national de cette 37e journée sur ce site de la coopérative d'aménagement rural K de P. Dans l'arrondissement de Kwaron, qui bénéficiera dans quelques instants d'une plantation de 5 hectares d'acacia auriculiformis et de quelques essences autochtones. Pour ma part, je lis une parfaite adéquation entre le site choisi et le thème retenu pour permettre aux populations de planter assez d'arbres dans leurs domaines respectifs afin de créer et de restaurer les ressources forestières.
Dans ses propos, le ministre José Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable a rappelé que le tout ne suffit pas d'organiser des cérémonies de mise en terre des arbres. Le message principal est que nous voulons réellement sortir du folklore, de la cérémonie de mettre en terre des arbres pour développer une culture de l'entretien, une culture de la maintenance dans une logique de création de richesses et de revenus pour nos populations. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches, Gaston Dosoui, a quant à lui invité chacun à planter au moins un arbre pendant la campagne nationale de reboisement ainsi ouverte. Près de 12 500 plants ont été mis en terre sur un site offert par les coopérateurs de la localité. L'actualité hors du continent, en raison de la crise sanitaire, l'événement n'avait pas pu se tenir. L'année dernière, le Forum économique de Saint-Pétersbourg ouvre ses portes aujourd'hui sous restrictions sanitaires, un rendez-vous incontournable qui rassemble des personnalités politiques et économiques, des investisseurs autour des grands enjeux économiques de la planète. C'est l'autre grand rendez-vous de l'économie internationale. Surnommé le Davos russe, le Forum économique de Saint-Pétersbourg rouvre ses portes dans la Venise de la Baltique. Trois jours à vivre au rythme des conférences, bien sûr, mais aussi des signatures de contrats. Pour cette 24e édition, près de 150 événements sont prévus. 1200 entreprises, des invités venus de 130 pays, dirigeants des plus grandes sociétés russes et étrangères, chefs d'État et économistes échangeront en présentiel ou, Covid-19 oblige, en visioconférence. Le forum, axé sur les questions de l'économie russe et internationale, se donne une mission particulière cette année, redonner un élan aux relations économiques mondiales lourdement affectées par la pandémie et la fermeture des territoires. Au fil des ans, le forum a toujours été un lieu pour discuter des problèmes les plus urgents auxquels la Fédération de Russie et les économies mondiales sont confrontées. L'événement de cette année ne sera pas différent. La nécessité d'un dialogue ouvert et constructif est particulièrement évidente à l'heure actuelle. La pandémie du Covid-19 a touché tous les pays du monde et a gravement réduit les liens internationaux. Il est essentiel de travailler ensemble alors que nous forgeons la voie du rétablissement. Au menu des discussions également, l'Arctique, les objectifs de développement de la Russie jusqu'à 2030, la santé ou encore la digitalisation des entreprises. Et parmi les participants cette année, le président de Total, des représentants du Bénin ou du Gabon et un invité d'honneur, l'émir du Qatar, reflet du renforcement des relations qataro-russes ces dernières années. Le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani sera accompagné de près de 50 organisations venues de l'émirat. Une telle représentation à grande échelle de l'État du Qatar au Forum économique de Saint-Pétersbourg 2021 est la meilleure preuve des vastes perspectives de coopération entre le Qatar et la Russie, ainsi que de la volonté des parties d'approfondir et d'élargir les relations. Nous sommes convaincus que notre collaboration à travers cet important forum sera productive. Nous sommes impatients de forger de nouveaux partenariats et d'élargir les liens commerciaux et économiques. Pour l'Europe, seul le chancelier autrichien Sébastien Kurz apparaîtra en ligne dans les discussions. Côté français, pas de représentant politique, même si l'Hexagone reste le premier investisseur en Russie. Malgré un contexte de tension diplomatique entre Moscou et l'Union européenne, le thème choisi cette année, de nouveau ensemble, l'économie d'une nouvelle réalité. Investissement, emploi, écologie, un contexte post-crise sanitaire dans lequel il convient en effet de relancer la machine économique. Israël est dans l'attente des résultats des négociations pour la formation d'une coalition. Cette coalition doit marquer la fin de l'ère Netanyahou au pouvoir depuis 12 ans. Si aucun accord n'est trouvé, les Israéliens devront retourner aux urnes pour la 5e fois en moins de 2 ans. Benjamin Netanyahou vit peut-être les dernières heures de son règne après 12 ans à la tête d'Israël. Hier soir encore, les négociations battaient leur plein entre les partis de la coalition destinés à le faire tomber.
Après l'accord scellé dimanche entre Yair Lapid, leader du parti centriste, et Naftali Bennett, chef de file de l'extrême droite, l'heure est à l'ouverture aux autres partis, même les plus éloignés sur l'échiquier politique. Ce gouvernement ne peut fonctionner que si nous travaillons ensemble en tant que groupe, pas moi, mais nous. Tous les partis sont invités à rejoindre la coalition. Chaque parti de cette coalition a un pouvoir de vote similaire et chaque parti aura un droit de veto. Alors que la perspective d'une alternative à Netanyahou se dessine, l'ancien ministre des Finances, Yair Lapid, reste prudent. Il y a encore beaucoup d'obstacles avant la formation d'un nouveau gouvernement. C'est peut-être une bonne chose car nous devrons les surmonter ensemble. C'est notre premier test, voir si nous pouvons trouver des compromis intelligents dans les jours qui viennent pour atteindre le but le plus important. Mais pour Benjamin Netanyahou, qui défend ardemment sa place, cette coalition est un danger imminent pour les Israéliens. Je lance un appel à mes amis qui ont été élus sur des électeurs de droite, ceux qui ont une conscience et des valeurs. Ne formez pas un gouvernement de gauche. Ce gouvernement est une menace pour la sécurité d'Israël et pour l'avenir de ce pays. Tout l'enjeu pour les différents partis de cette coalition anti-Netanyahou est de s'entendre sur la répartition des ministères, notamment ceux très convoités de la défense et de la justice. Autre enjeu majeur, l'union nationale et la place de la communauté arabe dans un pays qui sort à peine d'un nouveau conflit avec le Hamas et où cette communauté représente 20% de la population. Les regards se tournent vers les deux partis arabes, Raham et la Liste unie. Voici ce que le leader du parti Raham disait encore hier alors qu'il participait aux dernières négociations sur la coalition. Tant que ce n'est pas fini, rien n'est décidé. Avec ce rapprochement en devenir, les analystes politiques laissent entrevoir un possible apaisement entre les communautés arabes et juives. En attendant, les Israéliens sauront dès aujourd'hui si la coalition Lapid-Bennett tient la route ou s'ils devront retourner aux urnes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.